L'Afrique est au cœur des débats du forum MedDays et pour en parler, Ilham Brada, notre envoyé spécial, s'est entretenu avec Martin Zighele, ancien Premier ministre du Centrafrique. Regardez. La 15e édition donc du forum MedDays se poursuit ici à Tanger et en ce moment j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Martin Zighele, ex-premier ministre du Centrafrique, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous. Martin Zighele, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Une première journée presque, on va dire, qui s'achève. Comment s'est passée cette première journée ? Je vous remercie, c'était une journée bien remplie, comme vous l'avez dit. Nous avons animé deux panels. Le premier, c'était sur le financement durable des infrastructures en Afrique, pour la simple raison que pendant longtemps, les économies africaines ont compté sur l'endettement extérieur ou l'aide pour financer les infrastructures. Les besoins sont énormes en Afrique. 93 milliards de dollars des États-Unis par an. Et nous ne pouvons pas, l'Afrique ne peut pas compter sur la charité internationale pour construire ces infrastructures. C'est pour ça que le débat a porté sur le rôle que les fonds de retraite, que les caisses de dépôt et consignation, les fonds souverains, les compagnies d'assurance aussi, les fonds de pension peuvent apporter, les efforts qu'elles peuvent faire pour transformer les ressources qu'elles ont en moyen de financement des infrastructures africaines. Voilà, donc ça c'était le premier thème. Le second thème, c'est que nous avons constaté que dans le domaine de la promotion des investissements ou du plaidoyer pour les investissements en Afrique, l'Afrique se fondait toujours sur des instruments externes au continent. C'est pour ça que, à l'initiative de Think Tank Amadeus, qui est une structure africaine développée au Maroc en terre africaine, on a mis en place des indices de stabilité et d'attractivité de l'économie africaine qui seront donc vendus, promus auprès des bailleurs de fonds internationaux. Donc c'est une initiative africaine développée par une institution africaine au service de l'Afrique. Alors, vous le dites si bien, donc, des idées africaines en terre africaine. Est-ce que justement, de quoi a besoin cette coopération Sud-Sud pour qu'elle soit la plus rayonnante possible, à votre avis, monsieur Martin Zighele ? Mais c'est que chaque jour, nous devons nous rencontrer pour échanger nos idées, trouver toujours le meilleur moyen de créer de la richesse pour nos populations, parce que c'est l'objectif, c'est de permettre aux jeunes enfants qui sortent chaque année en millions des écoles, des universités, des centres de formation, d'avoir des emplois, de vivre leur vie dignement. Donc nous avons d'un côté des ressources, beaucoup de pays ont beaucoup de ressources, et nous avons en face des populations plutôt pauvres. Et entre les deux, il faut trouver les moyens de mobiliser des ressources. Et donc il faut que l'Afrique raconte son histoire, dise ce qu'elle peut faire, ce qu'elle a, comment elle va le faire. Comment elle s'organise pour que, y compris à l'intérieur de nos pays, il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent, qui décident d'investir pour créer de la valeur, pour gagner de l'argent, mais pour créer aussi des emplois et pour permettre aussi aux États d'avoir les moyens de leur fiscalité, de leur budget. Martin Zighele, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'ancien Premier ministre du Centrafrique et que vous étiez à Tanger dans le cadre du forum MedDays qui a démarré aujourd'hui et qui se poursuit jusqu'au samedi 18 novembre, ici à Tanger.